You are back on a run of goal. How much confidence do you have? What's the difference now versus the stretch when you guys were struggling to score? Bonjour Denis, félicitations. Donc vous ne faites que marquer depuis deux ou trois matchs. Vous avez beaucoup de confiance en vous. Quelle est la différence avec la partie avant le break? Vous aviez du mal à marquer et à gagner. Je pense qu'il y a eu beaucoup de repos avant de commencer cette Leeds Cup. Ça m'a fait beaucoup de bien et je pense que ça a fait beaucoup de bien aussi à l'équipe. Donc c'est pour ça que les performances sont hautes et il y a des grands scores. So we rest a lot. So I think it was good for everyone, for the team, for myself, and that's why we come back strong and we score. Denny, you guys are playing at the Rose Bowl on Friday. It's been confirmed. Your second time playing there this year. What are your thoughts about returning to that stadium? Do you feel like having that familiarity sort of gives you a little bit of an advantage? Donc vous retournez au Rose Bowl vendredi pour jouer. Vous avez déjà joué là-bas. Qu'est-ce que ça vous fait de retourner jouer dans ce stadium? C'est magnifique, voilà. Moi, j'aime beaucoup jouer dans des grands stades comme ça. J'espère qu'il sera plein de supporters du LAFC. Et voilà, avec un stade rempli de supporters, on peut cette fois-ci gagner là-bas. So I love to play in a big stadium like this. I really hope that a lot of fans will be there and that we're gonna win with the help of our fans. Denny, unfortunately no Carlos tonight, but how much confidence does it give you and the club to know you can come out and score four goals and many different options to score in a game like this? Donc Carlos n'était pas là aujourd'hui. Quelle est la confiance que ça vous apporte justement de marquer quand même quatre buts même en son absence? Quelle confiance ça donne à l'équipe? C'est une équipe avec beaucoup de joueurs, voilà, beaucoup de jeunes potentiels et ce qui fait que quand un joueur n'est pas là, même si Carlos est important pour nous, bah on démontre une force qui est que les joueurs aussi se montrent aussi et marquent beaucoup de buts. We are a team with a lot of good players. We have also a lot of young potentials. So it means that even with the day without Carlos, even if he's an important player, it shows that we are really strong and any players can show up and score on those games. Denis, Steve was just talking about how he wishes he could clone you and have different Denis on the field, but all jokes aside, he talks about how he sees you enjoying every day on the training field. What has allowed you after that dry spell to feel comfortable again on the field? Donc Steve a souhaité qu'on puisse vous cloner. Mais blague à part, il a aussi remarqué que vous jouiez avec le sourire. Et quelle est la différence avec justement avant le break, où vous avez un peu moins marqué? Comment vous êtes revenu aussi fort? C'était une nouvelle compétition, voilà, fallait la démarrer de la bonne manière. Et pour ma part aujourd'hui, voilà, je marque deux buts assez rapides, je vois qu'il reste beaucoup de temps. Donc j'ai voulu continuer, continuer à marquer un troisième but et au final voilà on me sort parce que justement voilà je dois laisser la place aux autres et puis un match vendredi donc tout est bien. So it was a new competition for me. It's the best way for me to start. I wanted to continue like that. I scored two goals pretty fast. I wanted to score a third one, but I was called out because there is a game on Friday, so I need to be ready for Friday. Speaking of Friday, quick turnaround, a Mexican team in Rayados. Do you know much about Monterrey and the challenge that they will present for the next round? Donc, en parlant du match de vendredi, vous allez affronter une équipe mexicaine. Est-ce que vous connaissez un peu Monterrey, ses forces et ses faiblesses? Non, mais j'ai parlé avec Ilier, et Ilier m'a dit que Monterrey est la meilleure équipe de la Ligue mexicaine. Donc on va s'attendre à un gros match. Et je sais qu'ils ont gagné 1-0, je crois, aujourd'hui, à la fin, à la 97e. Donc on va s'attendre à un gros match. J'espère qu'on va répondre présent.
No, I don't know the team, but I talked with Ilie, and he told me that it's one of the best teams of the Mexican League, so it's going to be a big game. I know they won 1-0 at the 97 minutes today. So yeah, it's going to be a good game, and we're going to do our best to win. Denis, 11 goals in two games. How important was the rest, the 17 days off, to the way the team is playing right now? Donc vous avez marqué 11 buts en deux matchs. Quelle était l'importance justement de ce repos pour ces 11 buts? De reprendre le plus d'énergie possible, voilà, pour attaquer une Leeds Cup où tu joues presque tous les 5 jours. C'est important pour nous de démarrer très fort et d'envoyer un signal à toutes les équipes qui vont nous affronter. Et comme je l'ai dit, chez nous, voilà, on joue à 12 sur le terrain grâce aux supporters, et donc c'est très bien, et j'espère qu'on va aller le plus loin possible. It was an opportunity to take a lot of energy back, so we wanted to start with a strong win, especially playing every 5 days. We wanted to send a strong signal to all the teams. But we play at 12 on the court. Like I said, the fans are a big part of our win.